Oui, je suis de retour avec ma webcam. D'ailleurs, si vous voulez me dire si vous préférez cette qualité d'image-là, vous me le dites dans la barre, dans le commentaire. Vous me dites si vous préférez ça ou le caméscope. Puis je vais investir dans un nouveau matériel si vous n'aimez pas. Voilà, parenthèse fermée. C'était juste pour vous faire un tag en fait. J'ai été taguée par Jess1308.82. Coucou Jess. Le tag Foudez-moi. Donc on va commencer tout de suite. Première question. Thé ou café? Je déteste le café, j'adore le thé, donc je préfère le thé. Question numéro 2. Marque de céréales préférée. Alors quasi toutes, sauf en sachant que je mange quasiment plus de céréales. Mais quasi toutes, sauf tout ce qui est truc de régime, enfin les trucs hyper allégés là, et tout ce qui est muesli, fruits, enfin voilà. Troisième question, Nutella ou confiture? Nutella. J'aime bien confiture, mais je préfère Nutella. Quatrième question, petit-déj sucré ou salé? Alors sucré, bien que si je fais des brunchs, j'aime aussi, mais donc avec le mélange, mais pas que salé, très sucré ou alors sucré salé. Voilà, j'arrive plus à savoir où j'en suis. Voilà. Cinquième question. Coca ou Oasis? Coca. Sixième question. Plat préféré. Les pâtes avec une préparation aux crevettes et crème fraîche. Septième question. Viande ou poisson? Viande sauf le porc. Huitième question. Fruits et légumes préférés. Alors, fruits, ce serait plutôt la poire. Et légumes, ce serait courgettes. Ouais, courgettes. J'aime bien. Alors, dixième question, pizza ou pasta? Les deux, j'adore. J'adore les deux. Onzième question, parfum de glace préféré? Chocolat. Douzième question, dessert préféré? Alors, la mousse au chocolat ou le tiramisu? Fast-food préféré. Alors, je déteste le Quick, j'adore McDo. Et s'il devait y avoir un KFC, d'ailleurs ça serait super, si quelqu'un sait s'il projette de mettre un KFC près d'Orléans, il n'y a pas de problème, vous pouvez me faire signe. J'adorerais y aller. J'y suis allée deux fois dans ma vie et j'adore. Alors, cuisine étrangère préférée. Eh ben, malgré que j'aime bien le fast-food, bah, je préfère la cuisine chinoise. Ouais, cuisine chinoise. Repas de fête préféré? Bah écoutez, tous. Autant Noël que Nouvel An, j'adore. Autant les deux, il n'y a pas de problème, je les adore. Fondue ou raclette? Les deux, j'adore. Mais pas la fondue bourguignonne. Fondue savoyarde, je préfère. Ta food addiction? Les gâteaux apéro. Ah ouais. Il n'y a pas un repas où je suis invitée, où j'invite des gens, qu'il n'y a pas de gâteau apéro. Gâteau apéro ou des petits, ce qu'on appelle des canapés, enfin des petits amuse-gueules, quoi. Il n'y a pas un repas, il n'y a pas de gâteau apéro ou d'amuse-gueule. C'est pas possible. Chez moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un repas où j'invite du monde, hein. Chez moi, je ne mange pas quand même tous les jours du gâteau apéro. Hein. C'est énorme. Ta head food, donc une nourriture que j'étais. S'il pouvait exister un monde sans épinards, ce serait le paradis. Je déteste les épinards. Tes bonbons préférés? Alors, je suis pas très bonbon, enfin plus très bonbon, mais sinon ce serait Dragibus ou les sucettes. Puis j'aime bien Carambar aussi d'ailleurs, pour ceux qui ont cru qu'il y aurait plus de blagues sur les Carambars, bah c'était faux, c'était un poisson d'avril. Que je comprends pas trop parce qu'en plus moi j'ai eu l'info sur journal télé de la 6 bien avant le 1er avril, ce que je comprends pas. Mais bon. Bref. Ton food secret pour la bonne humeur. J'ai oublié de compter les questions, mais bon, il y en a 21 en tout. Bon. Donc voilà. Ton food secret pour la bonne humeur. Alors si je suis pas bien ou déprimée, je sais que je vais me tourner vers ce que mon chéri achète en général pour me faire plaisir. C'est ce qu'on appelle la marque Marron Suisse.
Marron suisse, je sais pas comment on dit, de Nestlé. Une espèce de petite mousse au marron, là, j'adore. Mais c'est de la marque Nestlé. Si c'est pas Nestlé, si c'est marque Repair ou quelque chose d'autre, non. C'est pas de la vraie mousse au marron. Enfin, je sens moins le goût, enfin, bref. Je suis chiant. Donc, je suis difficile. Donc, si jamais, je viens chez vous, c'est des fois que on se rencontre et que je viens chez vous, mousse au marron, hein, pas une sous-marque. S'il vous plaît. Et dernière question, donc là, parce que c'est la 21e. La recette que tu fais le mieux. Alors, qu'on soit clair, à la maison, c'est plus mon homme qui fait la popote, qui fait à manger. Mais il m'arrive de lui filer un petit coup de main de temps en temps. Et j'ai déjà fait des trucs toute seule. Très peu, mais j'en ai géré. Et il y a un truc que j'aimais bien faire, c'était que j'ai fait à mon chéri d'ailleurs. Oui, que j'ai fait à mon chéri. Le gâteau marbré. Le gâteau marbré, j'avais réussi. Et il y a un gâteau qu'on a fait tous les deux cette fois-ci. C'était un gâteau sans cuisson qu'on laisse toute la nuit au réfrigérateur pour qu'il soit bien molli, enfin bien pris. Vous trouverez ça sur internet très facilement. C'est le gâteau au petit beurre-luche. En fait, c'est une préparation à étage comme le tiramisu. En fait, avec une préparation à base de... Ça, c'est une espèce de crème au chocolat en fait, ça fait. Et puis vous mettez ça avec des étages, avec des petits beurre-lus, trempés dans du café, les petits beurre-lus. Vous les mettez pas imprégnés, parce que sinon ça casse, ça sera molli, vous pouvez pas faire vos étages. J'ai essayé, hein. C'est pour ça que je vous le dis, c'est un petit conseil, vous les mettez pas trois plombes dans le café. Parce que le café, en plus, il faut qu'il soit chaud, sinon ça fonctionne pas. Bah, c'est moins bon. Voilà, j'ai fini ce tag, excusez-moi, c'est un peu expéditif, mais j'ai trop peur que ma webcam déconne. Voilà, désolé, j'ai dit deux gros mots dans la vidéo. Il y a des mineurs qui regardent. Non, je rigole. Je déconne. En général, je dis pas de gros mots parce que voilà. J'aime pas trop ça. Et puis, il y en a qui regardent et qui aiment pas les gros mots. Donc voilà. Bon, bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci encore, Jess, de m'avoir tagué. C'est très gentil. Et vous savez quoi? Bah, je vous tag tous. Voilà. Je tag tous ceux qui regardent la vidéo, que ce soit mes abonnés, pas mes abonnés, ou futurs abonnés, ou ceux chez qui je suis abonné, enfin, bref, je vous tag tous, voilà. Et je vous adore. Gros bisous.